في كل مكان قلب سليم، في كل مكان الصبر جميل، في كل مكان ربي رحيم. الله معانا في كل مكان، في كل مكان قلب سليم، في كل مكان الصبر جميل، في كل مكان ربي رحيم. الله معانا في كل مكان، الله معانا في كل مكان. La question à laquelle tu dois répondre par oui ou par non, c'est une question que plusieurs personnes se posent. Est-ce que tu dois répondre par oui ou par non? Est-ce que tu vas faire de la politique? Est-ce que tu dois donner ta réponse sans si tu es d'accord pour répondre? Moi, je pense à la première question d'abord. C'était quoi la première question? Alors, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir parmi nous Tariq Ramadan pour nous présenter son dernier livre, Le génie de l'islam. Le génie de l'islam, donc c'est un titre, comme le dit Tariq Ramadan dans son introduction, c'est un clin d'œil, en fait, si vous voulez, au génie du christianisme de Chateaubriand. Alors, ce livre, Le génie de l'islam, c'est un livre qui s'efforce d'exposer cette religion, notre religion, au-delà de son cadre formel. C'est-à-dire qu'il a abordé l'islam à travers sa dimension historique, à travers sa dimension spirituelle, à travers sa dimension philosophique. Un livre accessible, pédagogique, simple, sans pour autant sombrer dans le simplisme. C'est-à-dire que la force de ce livre, c'est que l'auteur est parvenu à conjuguer la simplicité de la forme avec la complexité du fond. C'est l'une des forces de ce livre. Et deuxième des choses qui fait aussi la force de ce livre, c'est que ce n'est pas simplement un exposé sur l'islam, mais il y a aussi toutes ces implications, ces implications et, historiques et les défis contemporains que les musulmans doivent relever. Alors, je ne vais pas trop m'attarder, moi j'ai peut-être deux ou trois questions pour lancer Tariq Ramadan dans son exposé. La première, c'est que ce livre vient répondre à un besoin. Donc, un besoin de clarification dans une atmosphère médiatico-politique qui est hostile, qui se montre hostile à l'islam et aux musulmans. La question que je pose, donc, ce que Tariq Ramadan dit dans ce livre, il le dit depuis des années. Et beaucoup d'entre nous ici ont grandi avec ces cassettes audio. Beaucoup d'entre nous ici ont lu ces livres. Et on voit que ce qu'il dit dans ce livre-là, il le dit depuis des années. Alors la question que je pose, c'est que, est-ce que ce souci de clarification n'a pas été à un moment donné un frein dans le déploiement et l'accomplissement de votre pensée, première des choses. Deuxième des choses, est-ce que finalement, vous n'êtes pas prisonnier de vos détracteurs? Voilà, on posait des questions, on m'a dit de poser des questions critiques. Et ils m'ont lancé dans le truc, ils m'ont dit « débrouille-toi ». Et donc voilà, en fait, les deux questions que je pose, est-ce que effectivement, il y a un besoin de clarification, mais est-ce que cette clarification, à un moment donné, ce souci de se clarifier en permanence, n'a pas été un frein, un obstacle au déploiement de votre pensée? Et est-ce que finalement, vous ne vous sentez pas prisonnier de vos détracteurs? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bonsoir à vous tous. Donc d'abord j'aimerais vraiment remercier Rencontre et Dialogue d'avoir organisé cette rencontre ce soir. Vous remercier à vous d'être là. Je sais que vous êtes dans la salle, on est suivi par la radio, on est suivi aussi sur Facebook. Donc salutations à tous, à toutes et à tous. Et avant de répondre aux deux questions, juste une chose, j'aimerais que, autant que vous êtes ici, on est dans un cadre extraordinaire, c'est une très très belle salle, et je sais combien ça devient difficile aujourd'hui de pouvoir obtenir des salles en France.
Pour certaines organisations, il n'y a pas du tout de salle. Pour d'autres, il y a des pressions, vous pouvez vous en rendre compte. Et vraiment, de votre côté, soutenir par votre présence ou par même des soutiens financiers celles et ceux qui essayent encore d'organiser des conférences dans des lieux qui sont, où les salles sont privées, parce que sinon, on n'a plus accès aux salles. Donc, il faut vraiment que vous montriez par votre présence ce soutien, par votre appui financier, votre soutien. Puis à un moment donné, ça suffit. À un moment donné, il faut aussi que vous preniez la parole. À un moment donné, il faut que vous manifestiez. Vous allez vous taire jusqu'à quand, la majorité silencieuse? Vous allez ne rien dire jusqu'à quand? Vous allez jusqu'à quand accepter que... Alors là, tout à l'heure, Dieu sait si je soutiens le CCIF pour son travail. Je pense que ce travail est particulièrement important. Mais autant je suis d'accord avec l'idée qu'il faut se défendre par le droit, autant je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il ne faille se défendre que par le droit. À un moment donné, il faut avoir la confiance. Quand on parle d'apaisement, mais l'apaisement, c'est pas de dire « je suis apaisé ». Ça ne veut pas dire qu'on est apaisé. L'apaisement, c'est acquérir pour soi, en conscience et en présence, le fait qu'on assume ce que l'on est et que l'on parle avec la liberté et puis que l'on dit les choses avec calme et sérénité. C'est ça, l'apaisement. L'apaisement, ça se vit, ça se déclame pas. L'apaisement, c'est une expérience spirituelle et une expérience intellectuelle et une expérience dans la présence. C'est pas répondre avec calme, c'est bien, mais c'est toujours répondre. C'est être avec calme et apaisement qui est important. Et à un moment donné, c'est aussi à vous de pouvoir l'exprimer de là où vous êtes. Il faut que, quand je dis la majorité silencieuse, ce que je veux dire, faut cesser ce silence des craintifs et il faut avoir la présence des apaisés, des sereins, de ceux qui vont ni se taire, ni s'excuser, ni se positionner de façon réactive. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, et ça m'amène directement aux questions. En fait, il faut savoir d'où vient ce livre-là. Ce livre-là, le titre m'a été proposé par une maison d'édition à l'époque où certaines maisons d'édition me proposaient des livres. Aujourd'hui, c'est terminé. Il y en a une qui tient encore dans la publication. Toutes les autres, sans exception, avec une deuxième sur un livre qu'on va sortir, Inch'Allah, la deuxième partie du débat avec Edgar Morin, qui va sortir dans une nouvelle maison d'édition, mais ça on en parlera en temps utile. Mais sinon, c'est un boycott total. C'est-à-dire, c'est une schizophrénie. Autant vous passez dans le monde anglo-saxon par les plus grandes maisons d'édition, vous arrivez en France, rien. Absolument rien. Le Seuil, Gallimard, tous, sans exception. Toutes ces maisons d'édition ne... Vous m'entendez pas bien, au fond? Ah, là, c'est la radio. Excusez-moi, ceux de la radio. Donc, en l'occurrence, je vais parler fort pour eux, et vous m'entendrez doublement ici. Donc, à cette époque-là, nous sommes en 2002, juste après les événements du 11 septembre et l'année qui a suivi, les éditions du Rocher m'appellent et me disent « Écoutez, monsieur Ramadan, nous aimerions que vous écriviez le génie de l'islam. » Dans et en miroir du génie du christianisme de Chateaubriand. Et il me disait à l'époque « De tout ce que vous faites et que nous suivons, vous êtes la personne qui peut le faire. » Et moi, ça m'était resté dans la tête. Ensuite, c'est passé le débat avec Sarkozy, toute la polémique autour du Forum social européen, le début de la diabolisation. La diabolisation était avant, mais là, elle s'est amplifiée pour atteindre... Et tout à coup, ils ont disparu. Et moi, ça m'était resté dans la tête. Jusqu'au moment où les éditions Penguin en Angleterre me disent « Nous aimerions que vous écriviez pour cette maison d'édition qui est... Alhamdoulilah, l'une des plus prestigieuses dans une extraordinaire collection, l'introduction essentielle à l'islam. » Et donc, moi, en passant de cela, je me suis dit, ben, ça tombe bien, ça me fait me réconcilier avec le projet de 2002, et donc je vais écrire le génie de l'islam. Dans cette idée-là. Et donc, à partir d'un certain moment, j'ai commencé même à me renseigner, à me dire, mais est-ce qu'il y a vraiment... sur le marché francophone, une introduction à l'islam qui soit digne de ce nom.
une vraie introduction à l'islam. Parce que moi, souvent, quand on me posait la question, je disais aux gens, attention, ne commencez pas votre introduction à l'islam par lire le Coran. Parce que le Coran, c'est un texte profond, mais il n'est pas simple. Ce n'est pas un texte simple. Et ce n'est pas par le Coran que vous apprenez l'islam. Et donc, pour moi, l'introduction pratique à l'islam, c'était la vie du prophète, parce que c'est l'exemplarité de ces enseignements-là. Et donc, c'est dans ce sens-là que j'avais écrit Muhammad, vie du prophète. Et donc, tout à coup, je me suis dit, mais c'est vrai. Et souvent, on me disait, il faut la faire. Et donc, c'était l'idée d'une introduction. Avec ce que... Parce qu'en fait, on se tutoie, mais il fait semblant de me vouvoyer devant vous, parce que c'est comme à la télévision. Et donc, et il peut être très critique, mais il ne le fera pas en public. Et donc, mais en l'occurrence, l'ouvrage, c'était de dire comment, en fait, penser cette introduction à l'islam accessible avec, dans l'esprit, deux publics. Le public musulman, à qui, à des moments donnés, il faut faire et refaire une introduction aux fondamentaux, et le public des femmes et des hommes qui sont d'autres confessions ou sans confession, à qui il faut exposer l'islam. Et donc moi, j'ai toujours eu, au moment où j'écrivais cet ouvrage-là, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans des ouvrages précédents, mais pas du tout de la même façon. C'est pas présenté de la même façon. Et donc, l'idée, c'était de se dire, vous savez, quand vous êtes dans le débat en France ou en Occident, c'est-à-dire ça m'arrive moi, 80% de mes interventions en Occident sont des réponses à des questions quand il s'agit d'interventions à l'extérieur des communautés musulmanes. C'est-à-dire répondre aux questions que l'on se pose. Donc quand il y a la question de la peur, il y a la question de la violence, puis ensuite il y a une liste de questions que vous connaissez, vous pouvez la faire. Et en fait, cette liste, elle change de pays à pays. En France, on va vous poser deux questions d'abord. Une, elle est liée à la religion, et la deuxième, elle est liée à la politique. Première question, quelle est votre réponse sur le foulard? Deuxième question, qu'est-ce que vous dites de la Palestine et d'Israël? Ces deux volets, qui sont deux questions essentielles. Vous avez un apport sur cette question, vous dites le foulard, c'est pas important, la Palestine, je dis rien, on vous entend. Si vous... Donc vous avez une liste, vous allez dans d'autres pays, ce sera d'autres questions. La question du foulard en Angleterre, mais ça ne se pose même pas comme question, au point que la femme de Tony Blair dit « La première personne qui va s'opposer au fait qu'une femme, même qui porte le niqab, enseigne, je serai son avocate. » La femme du Premier ministre. Vérité en deçà des Pyrénées et erreur au-delà, disait Pascal. Donc en l'occurrence, vous voyez que les choses changent d'un pays à l'autre, mais vous avez une liste. Et moi, mon idée, c'était, attention, à ne pas tomber dans le piège, de faire un texte réactif, de répondre aux questions. Intégrer à l'exposé toutes les questions qui nous sont posées, non pas selon la façon dont on nous pose les questions, mais selon la façon dont on présente notre religion, nous, c'est-à-dire les priorités, le message, et toutes ces questions-là, tout ce que vous entendez, toute la liste de questions que vous avez sur la violence, sur les femmes et tout ceci, sont dans le texte, mais pas comme on nous pose les questions, mais comme nous, on présente le message. Donc, vous voyez que c'est un changer de paradigme, changer de rapport au sujet. Ce n'est pas vous qui nous dictez l'ordre de notre pensée, c'est l'ordre de nos priorités qui répondront dans leur élan au sens de mes questions. Parce que ça veut dire aussi, nous respectons toutes les questions. Toutes les questions doivent être respectées, mais les questions sont parfois posées du point de vue qui nous interpelle. Et donc, en l'occurrence, c'était pour ça que j'ai intégré à cela cette approche. Ça, c'est un premier élément. Donc, c'est vrai qu'à l'intérieur du texte, on va voir des choses que j'ai beaucoup répétées, des choses que j'ai beaucoup dites, des choses aussi qui ne sont pas simplement des présentations objectives, parce que ce que je présente dans le livre, c'est la diversité de la tradition musulmane, la diversité du fait religieux aussi, et des interprétations. La deuxième des choses, c'est est-ce que, finalement, dans cet ordre d'idées-là, et ça, c'est une question excellente, parce que c'est vrai, le fait d'avoir à répondre, le fait d'avoir à répéter ne vous empêche pas d'évoluer. Et c'est certain qu'à certains moments de ma vie, que ce soit psychologiquement,
ou que ce soit intellectuellement, ou que ce soit même géographiquement, la pression des mêmes questions a parfois fait en sorte que vous perdiez du temps à répondre aux questions. Ce que j'ai appelé dans le débat intellectuel la distraction stratégique. La distraction stratégique, c'est que vous avez une voie, vous avez un objectif, et il y a des personnes qui vont vous poser systématiquement les mêmes questions, justement pour vous faire perdre l'objectif qui est le vôtre. Donc, c'est une stratégie pour vous distraire. Ou alors, vous venez dans un débat, et au lieu de parler du sujet, ils vous parlent de vous. Les attaques à dominem, c'est-à-dire, c'est vous qui devenez le sujet. Mais je ne suis pas venu parler de moi. On est venu parler du sujet. Mais le sujet, il s'en fiche. Comme parfois, là même, par rapport à ce livre-là. Par rapport à ce livre-là, je n'ai eu que deux invitations totalement marginales en France. Une, c'est TV5 Monde, c'est pas vraiment la France, et l'autre, c'est LCI, c'est pas vraiment public. Et dans les deux cas, en l'occurrence, c'est vrai que déjà, c'était courageux de le faire, donc il faut saluer ce courage avec des journalistes que je respecte, mais c'est vrai en même temps que les questions qui sont posées étaient sur la violence, sur Daesh, mais c'est pas le sujet. C'était pas le livre, c'est le livre dit le livre veut dire autre chose justement. Et donc le fait de la réactivité, c'est quelque chose qui est d'être attentif à la réaction. La réaction à la distraction stratégique, elle est importante. Et donc à des moments donnés, je ne peux pas ne pas reconnaître que la pression du contexte m'a fait perdre du temps dans ma réflexion. Et qu'à un moment donné, mais pas forcément simplement par rapport aux femmes et aux hommes qui ne sont pas de confession musulmane, ou les chrétiens, ou les juifs, ou les bouddhistes, ou les hindous, ou les athées, ou les agnostiques, même par rapport aux musulmans. Des fois, je peux me retourner vers ma communauté et dire, vous savez, tout ce que j'ai compris de ma vie, c'est d'être au service d'une pensée et d'un message. Mais le message m'a fait avancer, mais parfois la communauté m'a fait stopper, m'a fait reculer, m'a fait reconsidérer, elle m'a même fait, et dans Fil-Yad Estifada, il y a de l'utilité à répéter. Le prophète, as-salam, répétait les choses. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut passer de la répétition à utile à éviter le radotage. Et le radotage, c'est de finalement ne pas avancer. Et donc, il y a un risque. Il se trouve, alhamdoulillah, que ça, ce travail-là, il est aujourd'hui 20% de mon travail. Le reste de mon travail, sur les fondamentaux, tout ce que j'ai pu travailler sur la réforme radicale, sur ce que je suis en train de faire maintenant, sur l'éthique appliquée dans les 11 domaines de travail, avec les différents savants du monde entier, qu'il faut qu'on pousse, qu'on va maintenant travailler avec l'institutionnalisation, tout ça, ça a beaucoup avancé. Et donc, il y a tout un plan du travail dont on ne dit rien dans les médias, que ça ne les intéresse pas, mais qui est une véritable avancée. Qui est une véritable avancée sur... parce que dans le livre La Réforme Radicale, il y avait plein de questions, toujours des réponses, parce que je n'étais même pas qualifié à donner des réponses. Il y a sur certains domaines, je ne suis pas spécialisé. Je dis justement dans le livre qu'il faut une spécialisation pour cela. Et donc là-dessus, on a avancé sur la question de... Ça, c'est un des domaines, les fondamentaux. La deuxième des choses, c'est sur... l'islam en Occident, l'islam occidental, et donc de ce point de vue-là, ben, ce travail continue, et nous avons à le poursuivre, et puis l'islam dans les sociétés majoritairement musulmanes, dans lesquelles, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup n'ont pas compris le travail sur le réveil arabe, qui était poser un certain nombre de questions. Donc oui, le fait de répéter freine, oui, le fait de répéter parfois fait reculer, mais ça, c'est... Si vous voulez, on peut avancer tout seul, on peut avoir une réflexion théorique tout seul, mais moi c'est ce que je n'ai jamais voulu. Mon but, ça a toujours été penser avec et au service d'eux. Donc, au nom de Dieu, au service des hommes et avec les hommes. Ça veut dire qu'il faut tester, il faut travailler sur le terrain, il faut traduire. Parce que être un intellectuel dans une tour, ce qu'on nous propose, moi je suis dans une université, le top du top à Oxford, c'est de penser. On pense là-bas, mais redescendre sur le terrain, lier l'université à la cité, établir le lien, refuser la pensée de l'élite qui ne serait pas la pensée au service des hommes, ça ne m'intéresse absolument pas.
je serais dans la pure trahison de la pensée s'il fallait penser seul, avancer tout seul, et puis bon, finalement, vous vous faites plaisir, mais vous ne servez pas une cause, vous ne servez pas un message. Donc, j'aime bien la question parce qu'elle renvoie à une véritable difficulté, mais en même temps à une nécessité, c'est-à-dire celle de contextualiser, de travailler, et puis à un moment donné, de connaître ses risques, c'est-à-dire potentiellement de s'enfermer. Ayant dit cela maintenant, et pour vous donner la parole et pas prendre beaucoup plus de votre temps, à partir de cette réflexion-là sur une initiation à l'islam, et là tout à l'heure, notre frère Tayyip mettait en évidence ce qu'avait la traduction du professeur Mohammed Hamidullah, rahimahullah, dont il est vrai qu'il était, il a fait avec ses connaissances de la langue française ce qu'il a pu pour rendre accessible le texte coranique. Mais il n'a pas fait que ça, il a été, voilà l'exemple d'un homme, vous savez, des fois, nous avançons et nous oublions les héritages. Nous lui devons beaucoup en Europe francophone au professeur Hamidullah pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a produit et pour ce qu'il a, il a contribué. Et il avait écrit un livre, lui, « Initiation à l'islam ». C'était son livre, d'ailleurs assez intéressant, qui était une lecture beaucoup de l'intérieur et qui reste utile. Il y a un certain nombre de choses d'enseignement qui sont extrêmement importantes. Moi, ce qui m'amenait à dire ceci, c'est au vu de notre contexte, au vu de l'évolution du monde, la priorité des questions, comment aborder les choses, ben, comme il a été dit, et j'ai beaucoup aimé la façon dont les choses avaient été exprimées tout à l'heure, les époques changent, les priorités des époques changent, les attitudes culturelles changent, les questionnements changent, donc il faut parfois, même nos présentations, la penser à la lumière des questions de l'époque et des présentations de l'époque. Et à un moment donné, eh bien, j'ai construit ce texte-là à partir de cela. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai une assistante à Oxford. Donc, comme je vous l'ai dit, le texte m'est demandé d'abord en anglais. Donc, j'ai une assistante à Oxford et je lui ai demandé, qui n'est pas musulmane, et je lui ai demandé, est-ce que vous pourriez me dire, vous, de tout ce que vous voyez sur l'islam et de tout ce que vous entendez, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans un texte d'introduction à l'islam? Elle m'a fait une page et demie où elle m'a donné des idées. Dans le texte, il y a 10 choses que vous pensiez savoir sur l'islam. C'est son idée à elle. C'est elle qui m'a dit, ça serait intéressant de terminer par cela. Et elle m'a donné les idées de la structure. Donc, j'ai voulu entendre d'où elle allait m'écouter. Et moi, je suis venu d'où j'allais vouloir m'exprimer. Et j'ai construit le texte à partir de ces deux regards. D'où elle m'attendait, où j'allais à la rencontre de quelqu'un qui n'est pas musulman et qui ne partait pas d'un a priori défavorable, qui avait envie de comprendre. C'est-à-dire quelqu'un qui vous dit « ça me fait peur, mais j'ai envie de comprendre, j'ai envie de savoir ». Parce que ça peut faire peur, ce qu'on entend. Elle, beaucoup plus favorable, elle travaille avec nous dans tout le domaine. Elle est avec nous à Kyle, au centre de recherche. Elle participe à nos débats. Avec rarement dans ma vie, j'ai rencontré quelqu'un sur le plan pratique d'aussi éthique. Et des fois, je dis aux musulmans, l'éthique est là. Là. C'est pas dans nos discours à nous. Là, l'application de l'éthique, l'application du travail et de la rigueur. Dans l'éthique appliquée, elle est proche de notre compréhension de comment est-ce que nous devrions traduire nos valeurs sur le plan concret. Et donc, c'est parti comme ceci. Et donc, toute l'idée de la construction, elle a été d'abord l'histoire. D'abord l'histoire. L'islam et le message s'inscrit dans une histoire. Et la première des histoires, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la vie du prophète, est la personnification des valeurs de l'islam, comme l'a dit son épouse Aïcha radiallahu anha, qui nous disait ceci, et donc en l'occurrence, commencer par son histoire, commencer à comprendre qu'il y a 23 ans d'histoire dans laquelle les révélations s'inscrivent. Un texte éternel qui rencontre l'histoire d'un homme et l'histoire d'une éducation, la pédagogie divine, ça veut dire quelque chose. Et ensuite, après sa mort, tout ce qui s'est passé, d'où vient la relation chiite-sunnite, du politique au théologique, au questionnement, ce qui a été aussi mis en évidence tout à l'heure. Tout ça, ce sont des choses qui sont
qui sont déterminantes et que j'ai voulu marquer, c'est-à-dire faire introduire les gens. Pourquoi ? Parce que les gens, quand ils parlent d'islam, ils ont l'impression qu'on croit en un livre éternel et qu'on est des dogmatiques de l'éternel. Nous, on prend l'éternel, on l'amène sur le temporel et puis on ne juge que par ceci. Il y a une espèce de réduction que malheureusement, nous-mêmes, parfois musulmans, dans certains courants de pensée, nous sommes de cette nature-là. Nous avons pensé la référence aux salafis des premiers temps, les trois premières générations, de façon parfois dogmatique. C'est dans certains courants de pensée. Donc ici, c'était l'idée de cette histoire-là, de savoir ce qui s'est passé, des empires également, de ce qu'on a appelé les âges d'or. Et ça, c'était le début. Puis ensuite, au lieu de passer directement aux cinq piliers de l'islam, aux six piliers de la foi, il y a une étape sur laquelle nous ne nous arrêtons pas souvent. Malheureusement, moi, un de mes savants de référence, c'est Abu Hamid el-Razali, dont notre frère a beaucoup parlé tout à l'heure. Il fait partie d'un éventail de savants qui sont pour moi des incontournables de la tradition, des incontournables. C'est-à-dire rentrer dans le cœur de l'islam et comprendre cet héritage-là passe par le... Non pas pour s'arrêter à ce qu'ils ont dit, parce qu'il faut être critique avec tous les êtres humains, mais savoir qu'à un moment donné, ils ont apporté une contribution fondamentale à la pensée. Et en l'occurrence, de savoir cette histoire et de pouvoir comprendre qu'à un moment donné, nous devons parler de la conception de Dieu. Nous devons parler de la conception de l'homme en islam. Nous devons parler, parce que ça c'est important, il ne faut pas que nous passions directement à des piliers normatifs. Non, il y a avant la norme, la conception, Dieu, l'homme, la création. Ça, ce sont des choses sur lesquelles il faut qu'on s'arrête, et on ne parle pas suffisamment de ça. Vous-même, dans votre vie quotidienne, vous parlez avec des chrétiens, avec des juifs, avec des athées, avec des agnostiques, on parle des problèmes et on parle des pratiques, mais des conceptions. La conception, l'idée par exemple dans la tradition musulmane, formidablement positive, que nous sommes nés innocents et que nous devenons responsables, et que dans notre responsabilité fondée sur notre liberté, il y a l'idée d'un pardon qui précède la colère et le jugement. Mais tout ça, ce sont des choses sur lesquelles il faut qu'on s'arrête. Donc là, je prends du temps pour faire comprendre qu'avant même les obligations et les interdits, il y a une conception de l'homme, il y a une conception de la nature, et je m'arrête à ces principes fondamentaux, pour pouvoir dire aussi une chose importante sur nos conceptions. Par exemple, j'ai écrit dans le livre sur nos relations avec le judaïsme, nos relations avec le christianisme. Et je mettais en évidence un certain nombre d'éléments qu'il faut qu'on fasse, qui nous rapprochent du judaïsme et d'autres qui nous rapprochent du christianisme. Ça aussi, il faut les connaître. Et puis même des distorsions qu'on a pu voir dans la tradition, toute cette notion, par exemple, chez certains, du peuple élu, où certains sont très rapides en disant on va critiquer les juifs sur leur conception du peuple élu. Attention, parce que tous les juifs n'ont pas la même conception du peuple élu. Il y a dans la tradition juive des gens qui ont la même idée de la notion d'être un peuple élu. Un peuple élu ne l'est pas par le sang, il ne l'est pas par la race, entre guillemets, qui n'existe pas, on le sait maintenant scientifiquement, mais par la responsabilité. Vous êtes élu par la distinction morale qui doit être votre plus grande responsabilité sur la terre, et non pas par votre distinction. Et certains, dans la tradition musulmane, disent sur les musulmans ce que parfois certains dans la tradition juive ont dit sur les juifs. Nous sommes élus. Vous êtes la meilleure des communautés. Et certains pensent qu'il suffit d'être musulman pour être la meilleure. Ah non, vous n'êtes la meilleure des communautés que si vous êtes vous accédez à la conditionnalité de faire le bien et de résister au mal. Vous avez une responsabilité morale qui fait votre distinction. Et sans l'application du bien, la résistance au mal, vous n'avez aucune élection. Vous êtes aussi perdu que les autres. Pourquoi ? Voilà. C'est-à-dire, c'est de ce point de vue-là, sont perdus les gens, sauf ceux qui croient et qui font le bien, parce qu'il y a une distinction morale. Donc vous voyez, toutes ces questions-là, ça fait partie du deuxième. Le troisième chapitre, il est de prendre ce que vous devriez tous connaître, les éléments fondamentaux, mais pour chacun des éléments, les six piliers de la foi, les cinq piliers de la pratique, et ce que c'est que l'ihsan, d'adorer Dieu comme si on le voyait, avec quelque chose où j'ai essayé d'être simple sans être simpliste. Et ça, c'est l'exercice le plus difficile. Je m'aperçois, maintenant que j'ai dépassé 40 ans, que j'ai énormément de difficultés à être simple.
C'est très difficile. C'est difficile, la simplicité, c'est-à-dire de pouvoir dire les choses. Et c'est pour ça que, là, vous comprenez le rôle des prophètes et le rôle du prophète, la puissance du verbe. Voilà, le kalem, c'est-à-dire quelqu'un qui dit peu de mots avec énormément de profondeur et qui peut parler à plusieurs niveaux, à plusieurs... Ça, c'est particulièrement difficile. Au départ, je voulais écrire l'introduction à l'éthique musulmane, qui devait être un texte simple. Il y en a combien qui sont venus à moi et qui disent « Mais qu'est-ce qu'il est compliqué, ce livre ? Il faut le refaire. » Donc, en l'occurrence, vous voyez, c'est pas facile. Donc là, il y avait aussi cette idée de ces piliers, de cette compréhension également de l'Ihsan. Et puis, quatrième chapitre, qui pour moi aussi particulièrement critique, c'est tout celui de la notion de la voix. La reconsidération de la polysémie, c'est-à-dire des différents sens de la notion de sharia, et de la notion de djihad dans le sharia. Djihad comme effort et résistance, ou réforme, l'effort de la résistance et l'effort de la réforme, le double mouvement du djihad sur la voie. Et de mettre en évidence comment définissent en général les fuqaha, la notion de sharia, ou les falasifa, les philosophes, aoulou takallimin, c'est-à-dire les théologiens philosophes. Et là, je reprends. J'ai mis également dans le texte un glossaire de 500 termes arabes avec leurs définitions aussi reconsidérées. Par exemple, moi, je ne parle pas d'Aïm el-Kalam ou des Moutakallimoun, je ne définis pas comme des théologiens. Pour moi, ce sont des théologiens philosophes. Et là-dessus, je suis l'avis d'Ibn Taymiyyah qui mettait en évidence, attention, il y a dans les Moutakallimoun une très très grande influence des Grecs. Et ça, c'est vrai. Il avait raison de ce point de vue-là. Le paradigme grec était très, très important. Et puis, en plus de cela, ils ont une vraie philosophie. C'est-à-dire qu'ils posent des questions que des philosophes se posent. Que dit-on de la liberté? Que dit-on? D'où vient la morale? Est-ce que la morale est innée? Est-ce qu'elle est acquise? Quelle est la source de la morale? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que la raison? Est-ce que c'est la coutume? Des questions de fond qui sont intéressantes. Tout ça pour dire, et je termine là, j'aimerais aller vers ma conclusion, que sur cette notion de voix, c'était de revoir la position, et puis aussi de m'arrêter dans l'ouvrage sur une question qui est importante. Est-ce qu'on peut aller, comme certains, dire il y a des islams, et on met S pour montrer la diversité, ou un islam et des interprétations? Ça aussi, c'est beaucoup de musulmans sont contre le fait qu'on dise des islams. Et moi, je suis contre ça. Mais après, il faut argumenter. Qu'est-ce qu'on a? Et là, il faut faire la différence entre les écoles de pensée, les écoles de droit, les courants de pensée. Ça, ce sont des catégories qu'il faut maîtriser. Que vous soyez, et souvent, quand on vous pose la question à vous, vous apercevez que vous-même, vous êtes confus. Parce que plus vous êtes clair sur la diversité, plus ça fait deux choses chez vous. D'abord, la clarté de la diversité fait qu'on est ouvert à la diversité des opinions. Si on est clair dans le fait qu'il y a une diversité, que sur certains versets, il peut y avoir plusieurs opinions, que sur l'application des versets, il y a plusieurs opinions, ce que disait notre frère tout à l'heure sur la flexibilité même du rapport à la norme a montré une énorme diversité chez les savants. Ils n'avaient pas la rigidité de certains d'entre nous aujourd'hui, intellectuellement. Et donc là, cette notion-là, elle est importante. Et puis, une des choses, parce que assis dans une salle un vendredi soir pour dire qu'on est ouvert sur la diversité, chiite, sunnite, on s'aime, on est tous musulmans, ça va. Mais c'est pas là qu'il faut le montrer. C'est dans la vie quotidienne, c'est dans le respect de la vie. C'est pas facile toujours d'entendre une autre opinion de quelqu'un qui a une opinion islamique et qui n'est pas la même que la vôtre. Ça, c'est pas facile, ça demande déjà du savoir. Et ça demande, quand on ne sait pas, l'humilité de celui qui ne sait pas. L'humilité de celui qui ne sait pas. C'est-à-dire, peut-être que j'ai... peut-être que je ne suis pas au courant. Et déjà, faites très très attention à ça. Parfois, vous êtes persuadé d'une idée, vous dites, mais c'est évident en islam. Non, c'est évident dans ta tête. C'est pas évident en islam. Il y a déjà plusieurs opinions sur des choses. Et puis ceci est arrivé aux plus grands savants de notre époque et des époques passées. Souvent, vous voyez, Abou Hamed el-Razali, par exemple, dont on parle, si vous regardez son évolution, il a changé d'opinion dans sa vie. Ibn Taymiyyah, il a changé d'opinion. Ibn al-Salam, il a changé d'opinion. Les grands, Ibn Rahim el-Jawziyya, il changeait d'opinion. Mais si vous ne changez pas d'opinion, c'est là. Alors vraiment, non seulement vous n'êtes pas en train d'évoluer, vous êtes dans la régression.
Donc, Chaffery, dont vous savez qu'il a changé même d'école de droit de ce point de vue-là, dans sa constitution, cette priorité et certains de ses amis. Bref, ça, c'est le quatrième chapitre sur cette question-là, la diversité, j'en parlais même déjà dans le premier chapitre. Et je termine, ce que disait le frère, sur les défis contemporains, c'est-à-dire les défis contemporains qui sont contemporains à tous les musulmans, toutes les musulmanes et tous les musulmans aujourd'hui. Ensuite, les défis contemporains qui sont dans les sociétés majoritairement musulmanes, il y en a. Si vous voyez ce qui vient de se passer ou ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, il y a des vraies questions. Il y a des vraies questions sur le type de société que l'on veut, la société civile, le rôle des intellectuels. On ne peut pas passer sa vie dans les sociétés majoritairement musulmanes à dire que l'Occident est responsable de tout. On ne peut pas passer sa vie à dire que c'est eux qui ont mené la corruption et c'est le colonialisme ou c'est parce qu'ils n'aiment pas l'islam. Non, ça n'est pas possible. Ce processus de déresponsabilisation de la conscience musulmane contemporaine est inacceptable. Et donc, de ce point de vue-là, il faut aller plus loin dans la critique. Et je le suis dans le texte, extrêmement critique sur un certain nombre de choses, comme j'ai pu l'être, puisque certains de mes ouvrages parlaient de ces situations. Et puis dans les sociétés occidentales, ou les autres sociétés, où les musulmans sont sur le plan religieux en minorité, mais dont ils peuvent être citoyens, dans lesquels ils sont impliqués, ben on a un certain nombre de défis qu'il faut qu'on relève. Donc l'un des éléments essentiels, c'est de devenir des sujets, de reconnaître qu'il y a un racisme et de ne pas s'enfermer dans la posture des victimes de racisme. C'est-à-dire, oui, ça existe, le racisme anti-musulman, ce qu'on appelle l'islamophobie, ça existe. Et tous ceux qui, en France, du Premier ministre à ceux qui sont sur le terrain, Caroline Fourest et consorts, qui sont en train de dire c'est les islamistes qui ont inventé ça, c'est les Iraniens, et qui sont en train de mentir scientifiquement, intellectuellement, historiquement, sur même l'origine d'un nom, ça ne nous intéresse même pas, cette polémique-là. Ça existe. Mais attention, ce qui est le plus dangereux, c'est que l'on fasse de la lutte contre le racisme, une espèce d'obsession qui nous met dans la situation que décideraient ceux qui entretiennent ce climat-là. Nous, il faut qu'on sorte de cela. Il faut qu'on reconnaisse qu'il va falloir se battre, qu'on ne se laissera pas faire, qu'on ne lâchera rien, mais qu'on ne lâchera rien au nom de quelle vision, au nom de quelle perception de notre citoyenneté, du vivre ensemble, de cette confiance et de cet apaisement dont je vous parlais. Ça, ce sont des défis. Beaucoup des défis dont je parle sont aussi psychologiques, sont spirituels bien sûr et sont psychologiques. Dans tout le cheminement de cet ouvrage-là, il y a un fil conducteur. Et ce fil conducteur, c'est effectivement celui de cette connaissance, de cette spiritualité, de cette connaissance, de cet engagement, de cette cohérence et puis de cette responsabilisation qui doit être la nôtre. Donc voilà un tout petit peu le sens de la philosophie de cet ouvrage. Wallahu a'lam wa ala wa ahkam. Barakallahu fik. Alors maintenant on va passer aux questions-réponses. Je vais appeler Hamza qui a recueilli un peu toutes vos questions. On va juste vous demander d'être très concis et bref dans vos interrogations. Barakallahu fik. Alors, avec Sofiane, pour... vos questions sont filtrées. C'est une bonne méthode. C'est pas simple. Je suis allé à Istanbul, j'ai visité une mosquée. J'ai découvert qu'il était possible de visiter une mosquée, mais ce n'est pas possible en France. Est-ce normal? C'est une première question d'une personne qui ne comprend pas pourquoi est-ce que ce génie d'islam, on lui dit, en Turquie, tu peux rentrer dans la mosquée, il n'y a pas de problème, il y a quelques règles. Et dans certains endroits, parce qu'il y a des mosquées quand même, l'UCM le fait et d'autres le font, où c'est possible. Deuxième question, on essaye d'être comme vous, pédagogue, d'expliquer l'islam, mais finalement on est fatigué, et ce qu'on a envie de faire, c'est de prendre nos affaires, d'aller ailleurs et d'utiliser notre énergie différemment. Voilà les deux premières questions. Bon, je vais commencer par la deuxième. Un pédagogue fatigué, il faut qu'il se repose. Après, il faut qu'il recommence. Notre vie, c'est deux choses. Apprendre jusqu'à la fin de votre vie. Apprendre. Apprendre et apprendre. Nous sommes tous des étudiants, mais en même temps, avec nos études, tout ce que nous apprenons, nous sommes toujours les pédagogues pour quelqu'un. Les pédagogues pour notre voisin, les pédagogues pour nos enfants. À un moment donné, nous devenons même des pédagogues pour nos parents, suivant l'âge qu'ils atteignent. Nous sommes toujours
en permanente éducation et en enseignement. Parce que ce que nous... Et l'ilm nafir que le prophète sallam demandait, c'est un ilm nafir pour l'au-delà et pour l'ici-bas. Mais ici-bas, il faut qu'on ait un savoir utile. Et donc, je vous dire, je comprends la fatigue, mais elle n'est pas un droit. La fatigue, c'est un état avec lequel il faut que l'on gère, ça m'arrive comme à tout le monde, on est fatigué à un moment donné, mais la fatigue suppose qu'on prenne soin de soi, qu'on prenne soin de sa fatigue, et puis qu'on continue, et qu'on comprenne aussi ses responsabilités vis-à-vis d'autrui. Donc je comprends, mais même maintenant, je veux dire, avec la pression que vous avez, par exemple en France, le discours qu'on entend tous les jours, c'est fatigant rien qu'à entendre. Rien qu'à l'entendre, c'est fatigant. Après, il faut se dire, bon, si je suis fatigué à l'entendre, comment est-ce que je peux déplacer le curseur, me décentrer par rapport à ça, apporter quelque chose d'un tout petit peu différent, penser les choses différemment, parler d'un autre angle. Et puis, il y a une chose qui est très importante. Le meilleur remède à l'attaque qui vous fatigue, c'est la créativité qui vous inspire. Être créatif. Trouver de nouvelles façons de répondre. Trouver d'autres choses à faire. Pas être dans le réactif. Vous serez toujours fatigué si vous n'allez que sur le terrain du conflit qu'on vous propose. On vous propose le conflit, vous allez sur ce terrain, puis vous rentrez, puis vous voulez montrer que vous êtes courageux, et puis vous allez taper dedans, et puis, comme certains, souvent, des fois, vous êtes nombreux dans la salle, parce qu'en fait, ce que vous avez vu, c'est des clashs sur Internet. C'est-à-dire, c'est le conflit. Mais ça, c'est... Excusez-moi, mais c'est... ça va pour les enfants. Ça va pour les adolescents, ça. Ça va, à un moment donné, il faut sortir de ça, il faut se déplacer, il faut autre chose, il faut une autre créativité, un autre type de discours. Raison pour laquelle, encore une fois, tous ces clashs qui font que les gens suivent, eh bien, c'est quoi ? C'est 3% de ma vie, le reste est ailleurs. La construction, dans le travail, dans l'énergie, dans la patience, de savoir que sabre, c'est ça. C'est ça que ça veut dire, l'aide avec les... C'est pas patient dans la passivité, c'est persévérant dans l'action. Et la différence ici. Deuxième des questions, là on est exactement en face de deux avis juridiques de deux écoles différentes. C'est-à-dire que pour une école juridique, en particulier ce que vous avez chez, pas tous, mais c'est la majorité des malékites, c'est-à-dire l'idée que la mosquée, elle est que pour les musulmans dont on n'y entre pas. Vous avez dans d'autres traditions, la majorité d'ailleurs des musulmans pensent qu'on ne parle dans la référence du Coran que dans la Mecque, ce n'est pas toutes les mosquées, donc les autres mosquées sont ouvertes. Donc à partir d'un certain moment, c'est là, ce sont des avis juridiques qui sont différents, qu'il faut respecter pour ce qu'ils sont, mais en même temps, ça n'empêche pas de pouvoir préférer un avis juridique et de s'en tenir à cela. Pour moi, la mosquée en tant que telle est un espace d'accueil, c'est pas un espace, autant c'est clair pour la Mecque, que les mosquées, pour moi, doivent être ouvertes. Notez que moi-même, j'ai eu une expérience assez intéressante. C'est violent, hein, quand on vous interdit de rentrer dans une mosquée. J'étais au Mali, il y a 25 ans de cela, et je voulais rentrer dans une mosquée. Je pense que c'était dans un petit village près de Djéné, au nord du Mali. Le type, il n'avait jamais vu quelqu'un qui n'était pas un noir vouloir rentrer dans une mosquée. Il m'a interdit, il m'a dit « Toi, t'es pas musulman ». Et la façon dont il me l'a dit, il n'a pas voulu croire, j'ai pas pu rentrer, hein. Je ne suis pas rentré dans la mosquée, c'est la première fois de ma vie et la seule que j'ai été interdit de mosquée. Mais la façon dont il l'a fait, je me suis toujours dit, c'est violent. Le mot charia n'apparaît qu'une fois dans la Vulgate coranique, comment expliquer son extension dans tous les domaines des problèmes des temps modernes? Et une autre personne demande un petit rappel encore, charia, ce mot qui est tellement galvaudé, instrumentalisé, mal compris, et qui retient uniquement la lapidation, la main coupée, sur 1000 choses de la charia, on montre toujours en éventail des lectures et des approches. C'est pas tout à fait vrai, le terme il arrive dans sa forme telle qu'il est, dans le mot charia il arrive qu'une fois, mais dans la racine et la référence,
il apparaît trois fois au minimum, où il y a une référence par rapport à ça. Et dans ces trois fois, il est lié à la notion de Sharia telle qu'on la comprend. Il est très important ce terme parce que il a été associé chez les savants dans la compréhension de ce verset. Pour certains savants, la Sharia, c'est l'autre nom de l'islam. En fait, tout l'islam est dans la Sharia et toute la Sharia veut dire l'islam. Pour d'autres, c'est dans les différentes écoles de pensée, que ce soit chez les philosophes par exemple, ça a été extrêmement important. La notion Sharia, à un moment donné, a été la façon dont certains philosophes, et en partie, ça commence avec El-Kindi, répond à la pensée grecque en pensant qu'il y a un cadre de référence. Donc il est totalement inscrit dans la pensée grecque, mais il y a quand même un élément de référence, c'est-à-dire l'élément structurel, c'est-à-dire ce qui va structurer et donner une cohérence. Celui qui a aussi posé ceci de façon extrêmement intéressante sur le plan de la racialité, c'est quelqu'un qu'on connaît très très peu, dont on parle très très peu, mais il est sur le plan de la Vous connaissez les romans philosophiques. Les romans philosophiques, on dit souvent dans la tradition française, celui qui fut le maître du roman philosophique est Voltaire. Enfin, c'est le roman où il y a une histoire. En fait, la tradition du roman philosophique, l'un des premiers romans philosophiques que l'on a, c'est Ibn Tufayl. C'est celui qui a inspiré Robinson Crusoe. Et Robinson Crusoe, c'est celui qui arrive sur une île épicarien, qui a été repris par l'un de vos auteurs, un très très brillant auteur, que j'ai étudié puis enseigné, qui est Michel Tournier, dans un ouvrage qui s'appelle « Vendredi ou les limbes du Pacifique », qui est exactement cette histoire de Robinson. Vous savez que... Donc, c'est cette idée, quand vous arrivez sur une île, et puis qu'il n'y a rien, qu'est-ce que vous faites avec votre rationalité? Est-ce que vous avez besoin de loi pour déterminer? Et donc, pourquoi est-ce que je dis ceci? Parce que Ibn Tufayl, dans cette histoire-là, l'un des éléments de référence, donc on voit que c'est la structure fondamentale, c'est l'élément paradigmatique, il y a cette notion de référence à la Sharia. Ensuite, il y a les juristes, le droit, qui vont comprendre à partir de leur spécialisation dans le droit que la Sharia, et c'est comme ça souvent qu'on l'a, ceux qui ont été de ce point de vue-là les instruments de cette traduction en langue française ont souvent été des orientalistes à partir des fuqaha qui ont dit c'est la loi divine, avec cette idée que la loi divine c'est l'absolu. Et à un moment donné, les juristes, même dans la configuration du droit, en disant des choses très très simples. Souvent on dit, nous, quand on traduit, on dit le fiqh, c'est la jurisprudence, et la sharia, c'est le droit. Moi, je m'oppose à ça en disant non, c'est pas vrai. Le fiqh, c'est le droit et la jurisprudence. Et la sharia, c'est la voie dans laquelle se pense le droit et la jurisprudence. Mais c'est pas l'absolu. Et là, par exemple, même dans ma propre famille religieuse, même par rapport à mon père qui a écrit un ouvrage sur la sharia, il l'a écrit en anglais, il s'appelle Islamic Law is Scope and Equity, il l'avait écrit dans les années 50, il présente lui la distinction de la sharia et du droit, au point que juste avant de mourir, rahimahullah, il disait, quand on traduira mon livre en français, je veux qu'il s'appelle les sharia, et donc l'idée du droit. Je le comprends à partir de son étude à lui, parce que lui c'est un avocat, c'est quelqu'un qui a étudié le droit. Mais pour moi, c'est une réduction de la sharia au droit. Donc c'est la traduction, la compréhension du terme dans un domaine spécifique qui est celui du droit. Mais c'est pas comme ça. C'est pas simplement ceci. Les mystiques parlent énormément de la traduction, de la notion de sharia, avec une autre idée qui est la traduction de l'application par le cœur des éléments essentiels, à tel point que ce qui va être le plus visible dans la notion de la sharia, c'est souluk, c'est-à-dire le mode de comportement qui va être l'expression de ce cheminement vers Dieu, de ce rapprochement, c'est-à-dire la voie qui ramène au rapprochement avec Dieu. Et donc, on est de toute façon, dans toutes les définitions que l'on a, on est à milieu de la réduction de la sharia au code pénal. Ça, tous, ils sont d'accord pour dire « mais non ». Le code pénal, c'est un des éléments. Et donc, c'est un des éléments et il est mineur. Donc, ce n'est pas le code pénal, ce n'est pas les redoutes, comme on les appelle. Et donc, de ce point de vue, vous voyez bien qu'il faut complexifier. Moi, je l'ai toujours appelé depuis longtemps, depuis le début des années 90, la voie de la fidélité. Comprendre que dans la voie de la fidélité, oui, nous avons besoin du droit. Oui, parce qu'il n'y a pas de voie si vous ne connaissez pas les limites. Oui, nous avons besoin d'une source, c'est-à-dire comment se constitue intellectuellement et spirituellement et religieusement nos normes, nos valeurs, et donc nous avons à poser la question de
de l'origine, raison pour laquelle des gens, là, il avait notre frère a parlé de cette question de la naql wal aql qu'on trouve chez Mohamed el-Ghazali, mais qu'on trouve plus tard chez Ibn Taymiyyah, qui a écrit 9 volumes là-dessus, et puis qu'on trouvait déjà au préalable, non pas simplement, comme on le dit en Occident, chez Ibn Rushd, Averroès, mais dans toute la filiation de la pensée musulmane et philosophique. Donc cette notion de la charia pose la question de la source. Et puis, également, les objectifs, raison pour laquelle, quand El-Jouayni, et il n'était pas le premier, parce que donc vous avez ceci dans Ja'far al-Sadr, qui est très intéressant, parce qu'il est le lien entre la tradition chiite, sunnite et la tradition chiite, et que vous trouvez ensuite chez El-Jouayni, puis qu'on retrouve également chez Mohamed el-Ghazali, puis qu'on retrouve chez Shatibi, jusqu'à Tahir ibn Ashur au XXe siècle. Tout à coup, le renversement de la perspective et qui dit, attention, la charia, ça n'est pas simplement de penser sa source, ça n'est pas simplement de penser sa norme, c'est de penser ses objectifs. Maqas et des charia, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit réaliser. Donc vous voyez que c'est un terme qui est extrêmement riche de sens et qu'il ne faut absolument pas réduire à la norme légale seulement. Qu'est-ce que vous pensez des personnes dans la communauté? Il y a des fois un débat, une crispation. Quand quelqu'un dit je suis musulman mais je ne pratique pas, eh ben, on en fait de lui tout de suite une personne qui est ostracisée, une personne qui ne peut pas aimer Dieu, une personne qui ne peut pas être acceptée par rapport à la communauté. Première question. Et ensuite, y a-t-il eu des avancées notables en matière de réflexion théologique dans l'espace occidental ces dernières années sur la question de la femme? Est-ce qu'on peut dire que théologiquement en Europe, il y a une contribution théologique des musulmans pour apporter une avancée sur cette question, parce qu'elle pose véritablement problème quand ça vient d'autres pays? Donc, alors la première question, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que tu penses de ce débat? Et c'est vrai qu'on l'entend autour de nous. T'es pas pratiquant? Ah ben t'es pas pratiquant, donc tu peux pas être musulman, tu peux pas aimer Dieu. Et la deuxième question sur la réflexion théologique concernant la femme. Et on a plus que quelques minutes, je suis désolé. Oui, non, il n'y a pas de problème. J'ai répondu à ceci dans l'ouvrage. À partir du moment où une femme est un homme, dit « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah » qui dit la shahada, n'est de Dieu que Dieu et Muhammad a.s.w. et son envoyé, il est musulman, elle est musulmane. Et ça n'est pas à nous de commencer à faire le takfir sur la pratique. Nul ne peut nier que dès l'origine de la constitution de la norme juridique du fiqh, cette question se pose. Elle se pose même entre Shafi'i et Hanbal, c'est-à-dire le maître et l'élève, sur la question de la pratique. Parce que, fait référence à cela, Ibn Hanbal, d'autant, s'il vous plaît, faites très très attention à ces espèces de réductions totalement stupides qui consistent à penser que chez les Hanbalites, on est forcément plus littéraliste que chez les... C'est pas vrai, ça dépend du domaine. Vous avez dans certains domaines, la pensée Hanbalite, elle est extraordinairement ouverte et flexible. C'est quand même un Hanbalite qui dit à un moment donné, au XVe siècle de notre ère, qui dit que les masalih, Masalah al-Nas doit prendre le dessus sur l'application des textes. C'est un Hanbalite qui dit ceci. Et donc, en l'occurrence, il faut faire très très attention à ne pas, autant à des moments sur certains domaines, on peut avoir des restrictions, il faut faire attention à ne pas généraliser les écoles. Parce que vous avez des positions d'école qui sont différentes. Et là, en l'occurrence, Ibn Hanbal, qui fait référence au hadith du prophète, c'est-à-dire entre l'homme et le fait de nier Dieu, et le kufr ici, c'est dans la négation de la religion, il y a le fait de ne pas prier, celui qui ne prie pas, il est sorti de l'islam. À quoi s'oppose Shafi'i? Donc vous avez, il n'y a pas à nier le fait que ce débat a lieu. Après, il faut prendre une position, et quand on regarde dans l'ensemble de la tradition, oui, à partir du moment où vous avez dit la shahada, que vous reconnaissez qu'il y a un Dieu, vous êtes musulman et musulmane. Vous pouvez être pratiquant ou pas pratiquant. Et nul n'a le droit de dire à quelqu'un, je te mets dedans l'islam ou je te mets à l'extérieur de l'islam. Donc à partir de ce moment-là, c'est ceci.
Même moi, je vais même plus loin. Ça m'a amené, il y a certains qui ont entendu ce que je viens de vous dire, ils ont pris ce que je viens de dire, ils ont téléphoné à un cheikh en Arabie Saoudite, ils ont dit, regarde ce qu'il dit, et c'est une des signes de la déviance de Tariq Ramadan. Et ça, ça se retrouve sur Internet, c'est dans les trois langues maintenant, et peut-être même en plus de langues, parce que il me paraît que c'est même en ourdou, ou en indonésien. Donc je suis sorti dans beaucoup d'espaces géographiques, je suis sorti de l'islam. Ce que justement, ce à quoi je m'oppose. Parce que ce que je dis même par rapport à la pratique, vous êtes croyante et croyant. Peut-être que vous ne priez pas cinq fois par jour, ou que même vous ne jeûnez pas, ou que vous ne donnez pas la zakat. Et faites attention, parce que prier cinq fois par jour et ne pas donner la zakat, c'est être partiellement pratiquant aussi. Hein, c'est pas je prie cinq fois et je garde l'argent. Non, mais c'est sérieux cette affaire-là. Attention, Abou Bakr al-Siddiq, il a levé une guerre. Il a dit, celui qui va séparer entre la prière et la zakat, je vais déclarer, parce qu'il avait bien compris le problème, c'est-à-dire, je donne tout à Dieu, c'est-à-dire, je donne rien à mon argent, et je donne rien aux hommes. Et c'est le droit du pauvre, il n'était pas respecté, là, de ce point de vue-là. Donc, il faut faire attention à ne pas aussi d'être, ah, je suis pratiquant, je prie cinq fois par jour, mais j'oublie le fait de donner de l'argent. Parce que ça, c'est être partiellement pratiquant. Ça m'amène à dire simplement par rapport à ça, sur cet engagement de la pratique, c'est que quand vous êtes, vous dites et vous reconnaissez la présence de Dieu, et que dans votre vie quotidienne, vous essayez d'éviter de mentir, vous essayez de servir les gens, vous êtes sur la voie du début d'une pratique. Il y a la pratique morale et il y a la pratique normative. Mais la pratique morale, elle est là. Combien sont pratiquants normativement et ne le sont pas éthiquement? C'est-à-dire, ils pratiquent, mais à des moments donnés, dans leur vie quotidienne, il faut faire attention, on pratique. Donc, il faut être positif par rapport à ceci. Si tout ce que vous faites avec l'idée de Dieu, c'est déjà un peu de pratique. Et puis ensuite, la chose qu'il ne faut pas faire, il y a deux choses qu'il ne faut pas faire. S'arrêter d'évoluer et régresser. S'arrêter d'évoluer, c'est il faut être en mouvement tout le temps. Essayer chaque fois de faire un tout petit peu plus et de c'est pour ça. Vous savez, quand le prophète met en évidence que Dieu aime ce que les petites choses que vous faites quand elles durent, c'est parce que l'habitude de ce petit détail qui dure sur le long terme, il vous transforme. Et ne laissez jamais, jamais n'importe quel individu décider de ce que vous êtes. Autant vous n'avez pas, vous, à juger autrui, autant ne vous laissez pas enfermer dans le jugement d'autrui. Faites en sorte que le jugement le plus exigeant, ce soit le vôtre. C'est le vôtre qui compte, parce qu'il n'y a que deux êtres sur la terre qui savent qui vous êtes. Il n'y en a que deux. Il y a Dieu et il y a vous. Même votre femme, même votre mari, même votre papa, même votre maman, même vos fils, ils ne savent pas. Il n'y a que deux êtres qui savent. Et même vous, vous ne savez pas toujours. Mais oui, même nous, on ne sait pas. Même nous. Non, mais pourquoi vous allez applaudir? C'est grave ce que je dis. J'ai commencé à applaudir les choses graves. Il y avait deux questions, j'ai répondu aux deux. Oui, mais pourquoi? Les questions, il y a des questions qui mériteraient une soirée complète, mais... Arrêtez d'envoyer des SMS, parce que peut-être un peu plus, et là, on est dans quelques minutes, vous aurez un questionnaire, n'oubliez pas de répondre au questionnaire, et il y a une séance de dédicace. Pour quelle raison la chronologie, alors il faut que tu répondes à ça synthétiquement, et je te fais confiance. Pour quelle raison la chronologie de la révélation n'a pas été respectée, et quelles conséquences sur le principe abrogeant? C'est un débat et en rapport avec ta contribution dans ce livre, parce qu'il y a cette question des versets abrogés, mais le sont-ils lorsque la chronologie historique n'est pas respectée dans la version du Coran que nous avons? Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse. Il y a un premier niveau de réponse qui est celui de l'humilité intellectuelle quand on comprend que l'agencement tel qu'il est, juste pour que vous compreniez bien la méthodologie, chez les savants, quand on parle du droit,
Quand on parle des raisons d'une règle, il y a trois attitudes intellectuelles. La première, c'est celle de l'humilité intellectuelle absolue. Nous ne savons pas parce que Dieu sait et nous acceptons comme il a dit. Ça n'a rien à voir en temps, même dans les choses qui pourraient être rationnelles. D'abord, c'est l'idée, il sait et nous ne savons pas. Deuxième des idées, c'est que rien dans ce que Dieu dit est irrationnel, au sens où il va à l'encontre de notre raison. Attention, vous comprenez bien ce que je veux dire. Ça ne va pas à l'encontre de notre raison, mais ça peut être au-delà de notre raison. Ce qui est au-delà de notre raison n'est pas irrationnel, c'est au-delà de la raison. Et il y a du raisonnable à comprendre que la raison doit reconnaître qu'il y a quelque chose qui la dépasse. Oui, donc c'est rationnel. De dire raisonnablement, rationnellement je ne peux pas savoir, c'est rationnel. Oui, c'était la position de Kant. Kant disait rationnellement, c'était d'ailleurs la position de Mohamed el-Razali, dans El Monde Minet Dalal, c'est exactement sa position. Donc ici, vous avez erreur et délivrance, pour ceux qui veulent retrouver le texte en français, c'est d'ailleurs étonnant d'avoir traduit comme ça, mais enfin erreur et délivrance. Mais deuxième élément, par rapport à ceci, c'est d'essayer de comprendre qu'il y a des raisons qu'on peut comprendre. Et là, dans la constitution du Coran, il y a quelque chose qui est tout à fait important. C'est-à-dire de nous faire comprendre dans la rationalité qu'il y a un agencement spirituel qui est al-qira'a at-ta'abbudiyya, c'est-à-dire que vous lisez le Coran avec le retour du même. Vous avez dans le Coran des choses qui sont extraordinaires, c'est-à-dire le fait des histoires. Les histoires, elles ne sont pas toutes dites d'un trait, elles reviennent en cycle, ça veut dire quelque chose. En musique, ça s'appelle un refrain. En spiritualité, ça s'appelle un rappel. Et un rappel d'approfondissement, c'est-à-dire, ce n'est pas un refrain, c'est un rappel, et qui vous fait systématiquement comprendre que si vous avez une partie d'une histoire et que celle-ci va revenir, vous êtes dans l'interpellation intellectuelle. Vous devez faire acte d'humilité intellectuelle et de comprendre que les parties vont se parler les unes aux autres. Et donc, cet élément de la non-chronologie fait attention. Il y a dans la rupture de la chronologie quelque chose qui réveille l'intelligence. Justement, il faut la reconstruire, il faut faire ce travail. Ce que dans El-Ulum al-Qur'an, Suyuti aussi met en évidence dans cette idée que vous ne pouvez comprendre la section du droit, par exemple, la compréhension du droit, que si vous reconstituez la chronologie, par exemple, dans certains des versets qui sont où il en faut trois, il se trouve que pour ce qui concerne le vin, elles peuvent suivre l'ordre, si vous suivez l'ordre du Coran, elles sont dans leur chronologie, mais dans d'autres références, vous ne pouvez pas. Donc il y a de ce point de vue-là un travail qui est tout à fait intéressant. En fait, contrairement à ce que l'on pense, le fait de la rupture ou de la non-présentation chronologique impose deux choses à l'homme, l'engagement intellectuel et l'humilité intellectuelle au même moment. L'engagement intellectuel, c'est que vous ne pouvez pas accéder au sens du texte si vous ne faites pas un travail sur son agencement, sur sa compréhension. Ça veut dire que c'est une invitation à l'étude. Le texte, parce qu'il ne répond pas immédiatement à la chronologie de la révélation, impose à l'homme ce qu'on appelle la médiation intellectuelle, c'est-à-dire de comprendre le texte. Et deuxième élément, ça va vous imposer aussi l'humilité intellectuelle sur la compréhension du texte. Donc, faut faire attention à ces éléments-là. Troisième des niveaux, et là, il ne peut pas être abordé dans le temps qui m'est imparti, mais après, c'est dans chacun des domaines, c'est-à-dire dans le domaine du tafsir. Il y aura une explication aussi au sens de ce commentaire qui doit être lié en même temps à la non-évolution, la non-chronologie pour le temps de la révélation, qui va vous imposer dans votre temps à vous de pouvoir réinvestir le texte et d'apporter votre interprétation à la lumière de votre contexte. Donc il y a un travail entre les deux temporalités ici qui suppose une construction. Donc vous savez, ce qui est tout à fait important,
c'est que je vais vous dire une chose, je ne pourrai jamais dire le secret ultime de ce pourquoi Dieu n'a pas voulu nous donner un texte dans sa chronologie. Mais ce que je vois dans les pratiques, dans l'histoire, c'est que la non-chronologie ou le non-respect de la chronologie de la révélation dans l'agencement du Coran a été un moyen extraordinaire de multiplier les efforts intellectuels, c'est-à-dire l'invitation de l'intelligence devant le texte qui ne répond pas à une chronologie, et en plus de ça, un texte éternel qui s'inscrit dans l'histoire des hommes et qui brise la temporalité dans laquelle nous pourrions être, est une invitation incroyable à l'intelligence. Le secret du Coran révélé et dont l'agencement ne répond pas à la chronologie est la plus belle des invitations à l'intelligence humaine de s'engager à son interprétation et à trouver sa voie. On ne peut pas pour dire plus, mais c'est déjà énorme. C'est déjà extraordinaire, cette compréhension-là. Et donc, il faut faire attention à ce que la perception de la chronologie qui simplifierait pourrait être aussi quelque chose qui freinerait notre engagement intellectuel, tout à la fois ambitieux dans la volonté de trouver le secret et humble dans le fait de savoir que Dieu seul offre le secret. Vraiment, Tariq, on doit vraiment quitter la salle. Je vais m'arrêter. Mais l'autre question, c'était quoi? J'aimerais juste savoir ce que je vois, moi je ne réponds pas. Juste, est-ce que c'est offensé si je te demande de répondre à une question par oui ou par non? Est-ce que c'est une offense? Si je pense, il y a pas une question. C'était quoi l'autre question avec laquelle je Est-ce qu'il y a une question? Alors, non, je ne peux pas ne pas répondre à ça. Là, ça va être. Alors, une minute, parce qu'après, on demandera votre compte. Oui, il y a aujourd'hui, et pas simplement en Occident, et pas simplement en France, et pas simplement. Il y a aujourd'hui une production et une réflexion autour de la question de la femme, de son statut, de comment on en parle. Écoutez, moi, j'ai plus de 50 ans. Déjà. Quand j'ai commencé mon engagement, et quand moi j'étais jeune, ce que j'entendais, et avec beaucoup de respect, j'entendais « l'homme et la femme sont égaux devant Dieu et sont complémentaires en société ». Et on continue à dire ceci dans beaucoup de sociétés du monde arabe. Et aujourd'hui, je pense que la notion de complémentarité, elle a été aussi discutée. Il y a eu des apports sur qu'est-ce qu'on entend, sur qu'est-ce que c'est que cette égalité sociale, le rapport au travail, sur la question que vous posiez tout à l'heure, sur la question de la violence, sur la question de la violence conjugale, sur la question du statut des femmes, sur la question de l'autonomie, sur la question de elle en tant que savante, Alors, on a énormément de choses qui ont évolué, mais il y a une chose sur laquelle il faut qu'on soit clair. Nous sommes loin du compte. Nous sommes loin du compte sur l'application concrète des choses. Et le premier élément que nous avons, vous, là, ici, dans cette salle, c'est la confusion fondamentale qu'il y a, c'est ce dont je parle dans le livre, entre qu'est-ce qui est culturel et qu'est-ce qui est religieux. Ça, c'est un élément déterminant. Deuxième des choses, le vrai problème, c'est la question de tout ce dont on vient de parler par rapport au tafsir ou par rapport simplement à l'arcane. C'est-à-dire, qu'est-ce que la lecture contextualisée et la lecture littérale. Donc moi, c'est ce que j'appelle les deux problèmes que nous avons, la réduction littéraliste et la projection culturelle. Et donc ça, nous avons des vrais problèmes par rapport à ça, même s'il faut reconnaître que nous évoluons, nous avançons, et que nous attendons des femmes. Vous savez ce que j'ai dit sur notre côté victime? Ici, quand il s'agit du racisme, c'est exactement la même chose. Vous ne m'entendrez pas ici célébrer la posture victimaire des femmes. À partir d'un certain moment, il faut se lever, il faut étudier, il faut travailler, il faut s'équiper et il faut se battre. Si vous pensez que les hommes, à travers toute une histoire du patriarcat, ont eu tous ces privilèges et qu'ils vont vous les donner avec un grand sourire, continuez comme ça. Mais si vous... moi, je n'appelle pas une lutte, j'appelle un travail commun, j'appelle un réveil commun. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut que ce travail-là, il faut qu'on le fasse ensemble. Le oui et non, c'est quoi? Tariq, je vais demander à un philosophe de répondre par lui ou par non à une question qui est complexe, c'est une forme de philosophe. Un intellectuel ou... Tu es d'accord? Tu vas répondre par lui ou par non? Est-ce que tu es d'accord ou pas? Non, attends, on va avoir la question là-bas.
Vraiment, alors, on va terminer, il nous reste 2 minutes. Mmh. Il y a quelqu'un qui te demande, bon, tu peux pas répondre, pardon, mais en français, c'est quoi El Menaferi? Donc ça, tu vas répondre en 30 secondes et la personne fera les recherches. La question à laquelle tu dois répondre par le pardon, c'est une question que plusieurs personnes se posent. Est-ce que, tu dois répondre par le pardon, est-ce que tu vas faire de la politique? Est-ce que tu dois donner ta réponse pour savoir si tu es d'accord pour répondre? Moi, je pense à la première question d'abord. C'était quoi la première question? Ah oui, non, c'est le savoir utile. Et le savoir utile, encore une fois, faites attention, c'est pas uniquement le savoir utile au sens d'utilitariste. D'abord, c'est pas ça. D'abord, le savoir utile, c'est, écoutez, quel est le sens de votre vie? Les philosophes ont dit, c'est le bonheur, le sa'ada. La tradition musulmane dit qu'il y a quelque chose avec les sa'ada qui est plus profonde que ça, c'est le salut. Le salut, c'est-à-dire, comment est-ce que vous reveniez à Dieu sauvé, au sens que vous avez sauvé votre être. Le but de tout ça, c'est l'ilm al-nafi', c'est tout savoir qui va contribuer à votre salut. Mais tout savoir qui va contribuer à votre salut est un savoir qui va contribuer à servir les hommes, à servir la nature, à servir... Il n'y a pas de savoir utile à votre salut qui aille à l'encontre d'un savoir qui sert l'humanité, parce que le prophète sallam a dit, le meilleur d'entre vous est le plus utile aux hommes, c'est-à-dire servir Dieu, c'est servir les hommes, servir Dieu, c'est son salut, et le salut passe par servir. Donc le salut, c'est le service, et le service, c'est le savoir utile. Dans toutes ces... Et donc c'est un savoir pratique, c'est vraiment très très concret, c'est tous les types de intellectuels, pratiques et spirituels. Et même le savoir du cœur, attention, il n'y a pas que l'intelligence qui sait, le cœur sait. Est-ce que je vais me lancer dans la politique? Eh bien, je vais vous dire une chose. S'il y en a un ou une dans cette salle qui n'a pas compris que tout ce que je fais depuis 30 ans est politique, c'est que vous avez... Non, non, mais écoutez-moi bien. Moi, j'ai une énorme peur de tout ce nouveau discours de gens qui vous disent « Moi, je ne fais pas de politique. Moi, je suis un mystique. Je suis avec Dieu, loin des hommes, pas de politique. » Ou ceux qui vous disent « La politique, c'est quelque chose qui est sale. » Ou, et c'est pire que ça, qui réduisent la politique à la lutte pour le pouvoir. Moi, je ne parle pas de ça. La politique, qu'est-ce que c'est? La politique, c'est la bonne gouvernance. Ce que tu as utilisé le mot tout à l'heure, c'est la gouvernance de soi à soi. La gouvernance de soi à son voisin, de soi à la société civile, de soi au pouvoir, la transparence, la bonne gouvernance. Et donc ne réduisez pas la politique à la politique politicienne. Vous savez, de ce dont souffrent tous nos pays aujourd'hui, c'est la distorsion du politique. C'est la réduction du politique, c'est leur lutte de pouvoir. Ils ont réduit le politique, mais servir les hommes est un acte politique. Une parole de vérité est un acte politique. La solidarité est politique. Pourquoi, alors que je ne suis pas en train de me battre pour n'importe quel poste au gouvernement français, tous les politiques sont dans la diabolisation? Parce que les questions que nous posons sont politiques. Qu'en est-il de vos intentions? Quel en est-il de votre transparence? Qu'en est-il de votre honnêteté intellectuelle? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi est-ce que vous réduisez tous les problèmes sociaux que l'on a à la question de l'islam? Qu'est-ce que vous faites de ce point de vue-là? Donc vous avez bien compris, cette posture politique, cette attitude politique, cet engagement politique, je ne cesserai jamais de l'avoir, et pas simplement sur nos politiques, parce que moi, il y a une chose que j'ai compris. Et il y a une chose sur laquelle je ne me tairai pas. Si on a envie, pour qu'on soit des citoyens bien reçus, qu'à un moment donné, on ne parle de rien, qu'on ne dise rien, qu'on devienne des invisibles de tout, et qu'on n'ose même pas poser des questions sur qu'est-ce que vous faites dans les cités, qu'est-ce que vous faites dans les écoles, qu'est-ce que vous faites ou que vous ne faites pas dans l'égalité sociale, dans le racisme, et plus que ceci, qu'est-ce que vous faites en Afrique? Qu'est-ce que vous faites au Moyen-Orient? Qu'est-ce que vous faites en Asie? Ça, ce sont des vraies paroles. Et je veux dire, mais que vous soyez musulman ou que vous ne le soyez pas,
si votre dignité n'est pas de porter cette voix avec apaisement, avec assurance et avec transparence, eh bien là, votre savoir est inutile. Parce qu'on ne peut pas se sauver en étant des lâches. On ne peut pas se sauver en n'étant pas honnête. On ne peut pas se sauver quand on voit ce que l'on voit et puis que l'on se tait. On ne peut pas se sauver quand on voit comment on traite la nature. On ne peut pas, mais vous comprenez bien aussi, même de nous à nous, hein, même par rapport à notre communauté spirituelle, comment nous traitons les animaux, comment nous traitons nous-mêmes à l'intérieur, le racisme, parce que c'est bien de lutter contre le racisme anti-musulman. Il faudrait bien que les musulmans commencent aussi à lutter contre le racisme à l'intérieur de la communauté vis-à-vis des Noirs, vis-à-vis des... Mais moi, j'ai entendu des choses inadmissibles. Et donc, en l'occurrence, à partir d'un certain moment, tout ce que je viens de vous dire là est éminemment politique. Mais c'est la politique noble. C'est la politique... J'ai un rapport particulier au... Essayez de vous dire une chose. Est-ce que je peux vous dire un truc? Mais je répète. Vous terminez une conférence, vous commencez une conférence ou pendant la conférence, et au moment où on s'arrête, pas parce que c'est une fatwa qui dit qu'applaudir c'est haram, mais c'est autre chose. Vous savez, je dis souvent, à un moment donné, avec cette communauté, nous sommes tellement obsédés par devenir une fatwa qu'il faudrait une fatwa contre les fatwas. Une fois qu'ils disent, on n'a pas besoin d'une fatwa pour tout. Mais moi, j'aimerais juste vous dire une chose. L'élégance, la profondeur et ce que ça peut vouloir dire d'assister à un exposé, et à un moment où ça se termine, tout le monde se tait. Tout le monde se tait et juste on réfléchit à ce qu'on a entendu. On se lève en silence et on quitte la salle. Même peut-être parfois on finit par des invocations. On se tait. Salam alaikum. Non mais voyez ce que je veux dire? Que finir avec... C'est juste ça. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'un propos qui finit par le silence. Et sur lequel on se tait plutôt que de finir toutes nos conférences comme ça. Des fois, il faut applaudir. Des fois, il faut applaudir. Des fois, il faut se taire. Voilà, tu peux faire conclure avec une dora. Et on n'oublie pas les deux personnes, les deux jeunes qu'on a évoquées tout à l'heure. On vous demandera, s'il vous plaît, par respect à l'équipe technique, de nous aider à vraiment, autour de vous, vous ramasser les papiers. Ça permettra aux techniciens de ne pas faire de temps supplémentaire. Il doit aussi rejoindre sa famille. Et puis après, on vous demandera de sortir en silence. Il y a possibilité, après, pour vous aider les jeunes qui ont fait un stock et qui font un autofinancement. On veut absolument que tout puisse être liquidé. J'ai promis de transmettre ce message. J'ai fait. Voilà, Claude, on fait toutes tes réponses. Et il y a une dédicace. Merci, Karim, à côté. On va terminer par une doha. Et puis, dans quelques instants, on sera tous dehors. Inch'Allah. On vous remercie et on s'excuse pour toutes les questions qui n'ont pas pu être posées. On m'a dit arrête de t'excuser, je m'excuse et je dis merci. Parce que ça a été vraiment un échange de gros vol. Et on remercie Sophie Amnesiani, Taïeb Chouéleuf pour leur intervention avant toi. Ça a été vraiment un échange très riche. Et voilà. Alors, اللهم نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اجعلنا من الموحدين. اللهم اجعلنا من الذين يقولون لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بك لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم تقبل منا صلاتنا ودعاءنا وسجودنا. اللهم تقبل منا أعمالنا. اللهم تقبل منا أعمالنا ونور صدورنا بنور الإيمان. اللهم قوي إيماننا ثبت أقدامنا واجعلنا يا رحمن يا رحيم من المحبوبين
من المقربين من الساجدين من المؤمنين المسلمين برحمتك علينا يا كريم يا ودود اللهم أنت الرحمن فارحمنا أنت التواب فتب علينا أنت الغفار فاغفر لنا وسامحنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وسامحنا يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين اللهم لا تضع في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته اللهم تقبل منا الدعاء اللهم تقبل منا الدعاء يا رحمن يا رحيم اللهم اشفي إخواننا سامر يا رحمن يا رحيم وصلاح اللهم تقبل منهم دعاءهم واشفيهم يا رحمن يا رحيم برحمتك عليهما يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا يا رحمن يا رحيم اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم تقبل منا واغفر لنا واجعلنا من الصابرين من المحبوبين فاللهم نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم رحمتك نرجو يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك علينا يا كريم أنت الرحمن أنت الرحيم أنت رب العالمين فارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم قو إيمان إخواننا وأخواتنا المجاهدين والمجاهدات اللهم قو إيمان إخواننا وأخواتنا المظلومين والمظلومات في كل مكان قو إيمانهم في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي برما وفي أفريقيا وفي السجون وتحت التعذيب اللهم قوي إيمانهم ثبت أقدامهم استجب دعاءهم وعليك بأعدائهم الظالمين اللهم عليك بالظالمين في كل مكان وفي كل ميدان برحمتك علينا يا كريم تقبل منا واجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا جميعا من الصابرين وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا إخوة في سبيلك وحد صفوفنا قوي إيماننا قوي إيماننا وحد صفوفنا واجعلنا جميعا من الصابرين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.